Bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo sur la journée au salon. On est en route du salon. Alors aujourd'hui, grosse journée, là il est 9h, on va essayer d'être pour l'ouverture donc pour 10h. On a déjà nos billets donc c'est une bonne chose, on va pas faire la queue pour acheter des billets, c'est déjà bien. Donc de 10h jusqu'à à peu près 13h45 on va être un peu tout seul avec maman, on va faire nos courses etc, voir ce qu'on a à voir. Après je rejoins donc Laurie et Juliette pour le rendez-vous qu'on a donné au niveau de la verrière centrale. Donc ça c'est cool, je les rejoins pendant une heure, ouais, on va rester une heure à peu près. Et après, à partir de 15h30 ou 15h, on va au Gucci Master. Voilà, donc c'est la première année où on y va. Je vais évidemment filmer pas mal de choses. Donc voilà, grosse journée, grosse vidéo en prévention. Je vais essayer de filmer le maximum, c'est pas sûr. Hein. Je fais ce que je peux. Voilà, voilà. Et donc là, il fait plutôt beau. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, pour une fois que sur Paris, il fait beau. Donc voilà. Ouais. On est arrivé, voilà, là, il y a le soleil, c'est grave beau, c'est cool, c'est grave cool. Et voilà, on vient d'arriver, on va aller se garer, il est un petit peu tôt. Voilà. Under the tree where the grass don't grow. We made a promise to never get old. You had a chance and you took it on me. And I made a promise that I couldn't keep. Heartache, heartbreak, all over town, but something flipped. Like a switch when you came around, and I'm in pieces. Pick me up and put me together. Last of the lost boys I've thrown in the towel. We used to believe we were stars aligned. You made a wish and I fell out of time. Time flew, cut through all of the town. You made me bleed when I look. Keep 'em coming, 'cause we're not done yet. These are the days that we won't regret. These are the days that. Petit repas, on est peiné. Tac. T'as pris quoi toi? Tac. Et juste devant la détente de CSO. We won't forget. Thank you.
woman's sleight of hand. But I fell in love on the seaside.
fell in love at the seaside. I handled my charm with Simon's sleight of hand. But I fell in love on the seaside. Donc je tiens à préciser qu'il y a pas mal de trucs pour Noël et qu'il y a pas mal de trucs également que j'ai acheté avec mes propres sous dont je veux pas avoir de commentaires ah t'achètes ci, t'achètes ça, parce que clairement c'est pas le sujet de la vidéo. Donc voilà, je vais vous montrer ça assez rapidement parce que j'ai plus de batterie, oh mon dieu. Donc j'ai acheté vraiment, c'est dans le sac, j'ai acheté ce petit filet là, donc pour Star principalement parce que c'est lui que je sors en concours et pour lui que je n'ai quasiment pas d'affaires, donc c'est logique que j'achète pour lui. Donc voilà, donc il est à Havane avec plein de dorés sur le frontal au niveau de la muserolle et même sur les rênes, et j'ai trouvé trop canon. Donc voilà, c'est un muserolle croisé, vous avez ici les attaches qui sont en truc pratique et ça, merci mon dieu. Ensuite, pour aller avec, j'ai pris le collier de chasse. Donc il est comme ça. Je suis désolée de la qualité, hein, il fait nuit. Je suis avec ma lumière de ma chambre, donc c'est pas le top. Mais bon, c'est pareil. Le collier de chasse donc, est comme ceci. Là, vous avez toujours le détail doré.
Et ici également. Donc voilà, pour les deux j'ai pris taille full. J'espère que ça ira, que ce sera pas trop petit parce que monsieur est très très grand. Donc voilà. Ensuite, je me dépêche, j'ai vraiment plus de batterie. J'ai pris un Lincoln, voilà, parce que j'avais envie de faire un petit cadeau. Donc je voulais vraiment acheter un Lincoln en cuir, mais comme il pète tout, je me suis dit que j'allais être dégoûtée si je l'en achetais un qui m'allait me casser. Donc j'ai pris un Lincoln imitation cuir, qui est ma foi pas trop mal. J'ai payé 16€, j'ai trouvé que c'était largement raisonnable. Donc il est comme ceci, super grand évidemment. Et vous avez un détail, un espèce de crocodile marron. Donc voilà, je le trouvais sympa, et voilà. Ensuite... Ensuite je me suis retrouvée par hasard hein, devant le stand d'Hervé Gosignon, et je pense que vous devez le savoir maintenant peut-être. J'adore cette marque, j'adore leur tapis. Et l'année dernière, voilà, il y a 2 ans à la mode, j'avais acheté le tapis marron et rose pâle. Et je voulais absolument une veste à sortie, enfin je cherchais une veste un petit peu rose, avec des petits détails roses, mais pas trop non plus, parce que bon, en complet, en dressage, je me vois mal avec une veste toute rose. Bref, on s'en fiche. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un rose assez dur à trouver au niveau des vestes, quoi. C'est du rose assez pâle, il n'y a que du fuchsia. Et devant le stand Gaudignon, il y avait ceci. Donc c'est la veste qui va avec le tapis. Je sais pas si vous imaginez, genre ils ont fait la veste assortie au tapis, et heureusement pour moi, elle était en promotion. Donc elle est magnifique. Au niveau des coudes, je sais pas si vous allez voir, vous avez des détails, la matière est juste trop belle. Les surpiqûres sont en rose pâle en fait, et c'est exactement le même rose que le tapis. Au niveau des boutons ici, c'est des espèces de diamants, et derrière en fait les coutures sont roses également. Même quand ça va voler un petit peu, ça va faire tout rose, ça va être trop beau. Et voilà, ça c'est un cadeau de Noël, donc elle va rester sous le sapin pour le moment. Ensuite, je me suis acheté des protège-boulets comme ça, les bleus Norton que j'ai acheté chez Pad, parce que j'avais gagné au dernier concours, au dernier CSO, j'avais gagné les avant, donc j'ai juste acheté les arrières tout simplement. Ensuite, je suis un peu dans le désordre, hein. Je me suis pris une chemise chez Hervé Gaudignon parce que j'adore leur chemise, je trouve qu'elle taille très très bien. Et elle était à 35€, il y avait une promo dessus, donc voilà, il me fallait une chemise, j'avais pas le temps d'essayer, donc j'ai fait au plus simple. Une valeur sûre, donc voilà, elle est toute simple blanche, hein, avec un col et des manches, parce que j'aime pas les chemises sans manches. Pour finir, j'ai acheté un couvre-rein de la marque Paddock Sport, qui est... Oh, c'est un bijou. Donc il est énorme parce que c'est pour star évidemment. Donc il est chocolat, et en fait vous avez au niveau du contour, il n'y a pas de cordelette, mais vous avez d'espèces de croco un peu. Et je trouve que le détail est super joli parce qu'en fait ça fait pas trop, et voilà. Et au niveau de la queue, vous avez la corde qui est orange, et pareil, je trouve ça super sympa, ça change vachement. Et je sais pas, j'ai trouvé bien, et je m'attendais à un prix beaucoup plus cher. Donc je l'ai payé 99€, alors que j'ai regardé les couvre-rein RG, c'était à 165€. Donc j'ai dit non, ça va aller. Donc finalement, je suis plutôt contente de mes achats, voilà. C'est tout pour cette année, je vous ai aussi acheté des cadeaux qui seront dans un concours. Donc ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Et je vous laisse parce que j'ai plus de batterie. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous.